Passionné de sport ou juste curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureux de vous retrouver comme à mon habitude pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part à l'étranger. Enfin, je rigole, je me chauffe, on part juste au Luxembourg. Mais on part dans un des complexes sportifs les plus importants en Europe pour y rencontrer l'un des sportifs les plus titrés du Luxembourg et surtout le sportif le plus suivi sur les réseaux sociaux. Début de la vidéo maintenant. Et on y va en courant parce qu'il ne faut pas déconner. Allez. Chose assez intéressante, d'habitude on réalise l'interview avant l'entraînement du sportif ou avant qu'on puisse assister à un effort physique quelconque. Mais là, Bob m'a demandé à ce que l'interview soit réalisée après, tellement l'effort physique qu'il va réaliser là maintenant va être conséquent. C'est parti. Là, on a terminé l'échauffement, là, la séance est commencée. Ok, et là vous allez faire quoi concrètement? 5 séries de 600, 400, 200. D'accord. Donc une séance piste assez longue et dure, mais faut faire ça si on veut. Faire un bon 3000 en salle. Encore deux. Déjà très heureux parce que c'est la première fois que je me rends dans cette structure-là, l'aréna, j'avais jamais été, j'ai jamais parlé d'athlétisme. Donc je suis déjà très heureux de pouvoir réaliser cette première interview avec toi parce que tu as répondu présent et ça c'est déjà super sympa de ta part. Ouais, le bienvenu ici dans l'infrastructure, franchement c'est une des meilleures infrastructures européennes voire mondiales. Ouais, vous avez elle de la chance. Vraiment, hein. Ouais, elle est vraiment chouette, assez proche et... accessible aussi, okay. Au moins plus ou moins. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, s'il te plaît? Je suis Bob Bertemus, j'ai 28 ans, je fais de l'athlétisme, notamment le demi-fond. Je commençais avec du 800, 1500 et maintenant c'est plutôt 3000, 5000, voire 10 km sur route et dès la saison prochaine, peut-être aussi semi-marathon. Pour tous les sportifs que j'interview,
Comment t'en es venu à pratiquer l'athlétisme? À quel âge t'as commencé et pourquoi? J'ai commencé assez tôt, franchement très très tôt. Mon père, il est triathlète. D'accord. Et il a fait ses entraînements à Diekirch, où je suis au club, au Celtic Diekirch. Il a fait là ses séances pistes, donc la partie course à pied. Mmh. Et il m'a amené, moi et mon frère. J'ai un frère qui fait 2 ans de plus que moi. Et j'ai essayé quelques trucs à côté aussi, mais c'est l'athlétisme qui était toujours là et j'ai jamais quitté et ça m'a fait du plaisir. Et aussi assez tôt, je savais, bah normalement on fait un peu tout en athlétisme, donc on fait les sauts, les lancers et tout, mais je savais dès le début que c'est le demi-fond pour moi, c'est clair et net pour moi. Avant d'évoquer ton palmarès, il est important de comprendre pour ceux qui n'ont jamais regardé l'athlétisme qu'il y a une saison, enfin la saison se déroule en plusieurs étapes. Vous avez une partie plutôt plein air au niveau du printemps et d'été. Exactement. Et une partie plutôt automnale, hivernale, où vous êtes du coup en indoor comme dans une salle comme celle-ci. Ouais. Voilà, c'est ça le concept. Au niveau du palmarès national, t'es triple champion du 1500 mètres et quintuple champion du 5000 mètres. Je sais même pas. C'est fort possible. Bah, je suis multiple champion luxembourgeois sur différentes disciplines. Ouais, exactement, parce que même au niveau indoor, t'es triple champion du 800 mètres, septuple champion national du 1500 mètres. Donc au total, c'est 18 titres nationaux. Ouais, je pense que c'est encore même... Ah ouais presque le double. C'est pas noter tout à l'internet et voir il y a des il y a 10 km sur route où je suis champion semi-marathon, je suis champion avec l'équipe, je suis champion du 3x1000 mètres et des trucs comme ça. Même je suis devenu une fois champion du Luxembourg sur 4x200 mètres et le 3000 mètres steeple aussi une fois. Donc, T'es multidisciplinaire. Exactement, un peu ça. Et tu préfères justement au niveau de la saison, tu préfères plutôt le plein air ou l'indoor? C'est très très dur. On devrait dire en plein air, comme la saison est beaucoup plus longue et il y a beaucoup plus de possibilités. En fait, la saison en salle, elle est assez courte. Ça fait un mois et demi environ. D'accord. Où c'est vraiment le focus. Mais je cours très très bien en salle. Toujours. J'aime bien les virages, les petits virages avec la bordure qui est un peu courbée. Mm-hmm. J'aime très bien et j'ai fait mes meilleurs chronos en salle. D'accord. Donc c'est un peu controverse, mais je vais dire en salle. D'accord. Alors, premier titre de ce que j'ai vu en 2014 et le dernier il y a 6 mois en 2022. Comment t'expliques ta longévité? Comment c'est possible avec toute la concurrence qu'il y a de pouvoir encore performer autant? Je pense, longévité, c'est... j'ai 28 ans, je ne me trouve pas encore très vieux, même au monde du sport, je commence à être un des vieux, mais je m'entraîne régulièrement, c'est une sériosité que j'ai. C'est de la rigueur, quoi, beaucoup. Ouais, exactement. Bon, j'ai bien sûr aussi eu des saisons difficiles où j'avais des blessures et ça. Mais oui, je me bats, je m'entraîne dur, intelligemment, mais sérieusement. Et je trouve toujours du plaisir à le faire. Et je pense que ça, c'est très important pour être... Toujours prendre du plaisir, c'est exactement, important. Exactement. Ouais, en fait, comme demi-fondeur, et spécialement comme demi-fondeur, moi, je cours environ 120 à 130 km par semaine. Si j'aime pas fonctionner pendant une, deux, trois saisons, mais tu ne vas pas faire ça pendant années et des années. C'est clair. Bah justement, on parlait tout à l'heure de peut-être semi-marathonien l'année prochaine. Comment ça se passe? Parce qu'on sait que les sprinteurs ont un physique, un métabolisme totalement différent de, par exemple, de ceux qui font du demi-fond, beaucoup plus explosif, beaucoup plus vif, alors que vous, c'est plus sur de l'endurance. Est-ce qu'une personne qui réalise des bonnes performances en demi-fond peut prétendre à réaliser des bonnes performances au niveau marathonien? Oui et non, ça dépend un peu du type d'athlète. Au demi-fond, on a un peu... ça, c'est ce qui est intéressant au demi-fond. On a les deux types. Les types qui viennent de l'endurance, qui font des grands volumes à l'entraînement et qui ont de la force à cause des kilomètres qu'ils font à l'entraînement. Et il y a les sprinteurs, le physique un peu plus sprinteur, ils sont plus lourds, plus musclés et ils courent ça avec de la force musculaire. Mmh. Et eux... Probablement non sur des plus longues distances, mais un chemin naturel d'un athlète, c'est vraiment de commencer dans les distances plus petites et au fur et à mesure, l'endurance s'améliore. D'accord. La vitesse diminue un tout petit peu et l'endurance, ça devient de mieux en mieux. D'accord. Et
comme ça, c'est un fait naturel que la distance augmente. Et comme on me voit, j'ai un physique assez fin. Je pèse 55 kilos, donc c'est pas vraiment beaucoup. Et du coup, c'est prôné pour faire des bonnes choses aussi dans les longues distances. Au niveau international, comment tu vois la concurrence, on va dire plutôt africaine, éthiopienne, comment ça se passe? Est-ce que d'un point de vue sportif, quand tu vois tous les efforts que tu mets en place, est-ce que tu as un peu la rage ou comment tu vois la chose? Non, pas du tout. En fait, ça a changé beaucoup les derniers temps, les derniers 3, 4, 5 années, où notamment dans mes disciplines, c'est même les Européens qui ont performé très très bien, notamment un phénomène norvégien qui a un peu révolutionné la philosophie, comment on s'entraîne aussi. Mais on peut en discuter si les Africains ont un avantage métabolique, voire physique. Des prédispositions qui... Exactement. On peut en discuter et je pense aussi qu'ils ont des avantages. Mais on était en stage au Kenya il y a 3-4 mois et on voit comment ils s'entraînent aussi. Et c'est différent. Ici, quand on regarde là maintenant, je ne vais pas dire au Luxembourg, mais en Europe en général, le sport de haut niveau, c'est souvent pas une chance, mais c'est une volonté. Mmh. Et si on compare ça en Afrique, c'est une chance pour... c'est une opportunité pour faire de l'argent, en fait. Et au foot, peut-être aussi en Europe, c'est pareil. Mais en athlétisme, tu ne vas pas faire de l'athlétisme pour gagner d'argent. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et du coup, si on a ici, en Europe, on a une classe de 100 élèves, on va demander aux 100 élèves qui veut tenter de faire du sport professionnel. Et là, peut-être les garçons, peut-être encore plus que les filles, même ce qui est aussi un problème ici en Europe. Mais il va y avoir peut-être 10 qui vont dire « ouais, je veux tenter ». Mais des 10 qui vont dire « je veux tenter », il y a peut-être un qui veut vraiment tenter. Et en Afrique, tu demandes à 100, il y a au moins 50, je vais dire, qui vont dire « je veux tenter à devenir non pas professionnel en sport, mais en course à pied, et notamment le demi-fond et le fond. » Et il y a une masse énorme de... Donc forcément, il y en a une partie qui réussit, c'est pour ça. Exactement. Okay. Le pourcentage des réussites, si tu as un pool de 1000 personnes, c'est clair que qu'il y a quelqu'un qui sort est beaucoup plus grand qu'ici. C'est clair. Et c'est... Pour moi, c'est plutôt ça que C'est super intéressant talent. Parce que je ne savais pas du tout. Ouais. Donc du coup, tu parlais du stage au Kenya que vous avez fait il y a quelques temps. Tous les athlètes, surtout notamment dans vos disciplines, doivent se rendre dans ce genre de pays pour pratiquer ou pourquoi vous y allez? Il y a quand même beaucoup qui y vont quand même. Ouais, y a un grand avantage sur les plus longues distances, c'est l'altitude. En fait, on va en altitude on a moins d'oxygène, comme la pression d'air est moins importante. Mmh. Et ça fait qu'on demande au corps de produire plus de globules rouges pour transporter l'oxygène. D'accord. Une fois qu'on revient sur le niveau de mer, on a une sensation qu'on vole. Vraiment, c'est impressionnant. C'est bien. on souffre en haut, mais une fois qu'on redescend, c'est assez bien. Mais on a des places d'altitude aussi ici en Europe. Bon, en hiver, c'est un peu compliqué comme c'est toujours de la neige. Mm-hmm. Mais moi, j'aime bien la simplicité au Kenya. Il n'y a pas de distraction. T'es focus, quoi. Focus à 100% à la course à pied. Et tu vois aussi, et ça motive, tu vois au quotidien. Au Kenya, notamment, on va à une piste où il y a, mardi matin, il y a 250 athlètes. Et je vais dire des 250 athlètes, il y a au moins 200 qui sont à un meilleur niveau que moi. Ouais. Et c'est inspirant et ça te remet en place aussi et ça te montre qu'il faut travailler dur et constamment pour arriver à ce niveau-là. D'accord, et c'est aussi pour ça que j'aime bien aller. Au niveau des entraînements, comment ça se passe pour toi ici au Luxembourg? Comment tu t'entraînes? Combien de fois par semaine? C'est intéressant pour les gens de savoir. Depuis 2 ans, je m'entraîne moi-même. Je suis mon propre entraîneur avec mon groupe ici. J'ai un groupe dans le club de
d'une vingtaine à 25 personnes que j'entraîne. Et la plupart que je fais tout seul à la maison. D'accord. Mais on se voit normalement 3 fois par semaine. Okay. Deux fois à Diekirch, au sein de mon club, et une fois ici en Coq, le vendredi soir. Et le reste, je fais à la maison. Et c'est entre 10 et 12 séances par semaine. Donc, je double quelques jours où je fais 2 entraînements. Ah ouais. Et c'est parfois dur avec le boulot, mais il faut s'arranger et s'organiser et ça marche. Il y a de plus en plus de pratiquants de la course à pied, du running. Comment t'expliques cet engouement aujourd'hui pour ces disciplines-là ? L'athlétisme en soi, comme moi je le fais sur piste, là ça, c'est compliqué un tout petit peu, mais la course à pied en général, notamment la course à pied sur route, ça a connu un boom énorme. Je pense que c'est la simplicité du sport. On n'a que besoin des baskets et on n'a pas de matériel. Quoi, exactement. C'est ça. Il y a des baskets et 5 minutes après, tu sors et tu as la route qui est ton... Ouais, ton lieu d'entraînement. Quoi, exactement. C'est ça. Ouais. Donc, tu as vraiment besoin de presque rien. Et c'est un sport assez exigeant et c'est un sport assez honnête, je pense aussi. Et on reçoit ce qu'on sème. Ouais. Et du coup, si par exemple on joue au foot avec de la malchance, il y a aussi de la malchance en course à pied, si on tombe malade ou quelque chose comme ça, ou on se blesse. Mais en général, c'est vraiment honnête. Ouais. Le jour de la compétition... Si tu as travaillé, normalement, tu as des résultats. Exactement. Okay, et d'accord. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très chouette et que j'aime bien, moi, personnellement aussi. Et aussi, pendant la période Covid, notamment, il y avait peu de possibilités, mais normalement, la course à pied, c'était encore autorisé, faisable. Ouais, ouais. C'était plus faisable que d'autres sports. Le sport loisir en course à pied, ça, c'est vraiment très, très bien. Mais trop peu, à mon avis, de gens font de la compétition aussi. Ouais. Et ont un peu peur de s'inscrire sur une course sur route. Ouais, ça reste du loisir plutôt de la compétition. Exactement. Okay. Et je pense que les gens... N'hésitez pas à vous inscrire à des... Il le dit, hein. N'hésitez pas. Mais même si il vous faut, 1h10 pour 10 bornes, faites-le. Ouais. Et, c'est comme vous ça avez... que tu progresses, parce exactement. Que tu jauges là, aussi. Exactement. On a une référence et après, on peut regarder un peu. Moi, je veux progresser et tu as une barre qu'il faut s'améliorer pour franchir. Et après, la satisfaction de dire que tu t'améliores, exactement, etc. Ouais. Ouais, non. Et tu es quand même, on peut le dire, une star sur les réseaux sociaux quand même. 188 000 abonnés, c'est énorme, quoi. Ouais, mais c'est pas que des Luxembourgeois. Hein. Ouais. C'est, sinon, ce serait vraiment, vraiment fou. Non, c'est une communauté globale. Mais je poste chaque jour. Je montre un peu ce que je fais au quotidien dans mon sport. Je montre comme mon sport sur mes réseaux sociaux. Je poste chaque jour. J'ai commencé à faire ça pendant la période Covid, comme je m'ennuyais. Mmh. Et ça a pris un grand boom. Mais là, maintenant, c'est aussi une grande motivation. En fait, c'est un peu comme un journal pour moi. Si tu me montres une vidéo d'un jour XY, je sais déjà ce que j'ai jour, fait ce jour-là. Ouais. Et ça, c'est chouette pour moi aussi. Ouais, ça te fait un tableau de bord, quoi, en fait. Ouais, un peu, ouais. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour finir à une personne qui n'a jamais fait d'athlétisme et qui voudrait se lancer, mais qui se dit, je ne suis peut-être pas fait pour ça, etc. J'ai peut-être pas la condition physique, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un ? Comment c'est lentement, ne vous stressez pas, ça c'est le plus important. En fait, la course à pied, c'est un sport de choc. Donc, chaque pas qu'on fait, il y a un grand choc et c'est un peu risquant pour se blesser. Et du coup, pour vraiment commencer, moi je dis toujours, je suis kiné. Et du coup, je dis souvent à des patients qui commencent à faire de la course à pied ou qui veulent faire quelque chose, n'hésitez pas à marcher avant. Souvent, les personnes, ils sont au bureau, ils travaillent au bureau et le soir, ils veulent faire quelque chose pour le corps, ouais. Le cœur et pour bouger un peu. Et ils ont tendance à être du bureau immédiatement à course à pied. Il n'y a pas de transition, en fait. Et n'hésitez pas à mettre vos chaussures, mettre vos affaires et aller marcher d'abord, marcher pendant 5 minutes et courir pendant 1 minute. Et remarcher 2 minutes. Et comme ça, au fur et à mesure, prendre plus en plus de plaisir. Il faut savoir, si vous commencez, même marcher, c'est plus que vous avez fait avant, et c'est déjà un progrès. C'est vrai. Et commencez doucement pour que
vous voyez le progrès aussi, que non pas vous commencez à 100% et vous rechutez et vous avez mal partout. Mais non, faites doucement et vous regardez palier bien par le progrès. Pour voir, exactement. Okay. Regardez bien le progrès et regardez une semaine derrière vous où vous en étiez de là et prenez du plaisir. Merci beaucoup Bob, c'était une super, super entraînement de pouvoir assister à ça. Merci pour l'interview aussi. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, en attendant, abonnez-vous au canal. Allez, ciao. Ciao.